fly, bridge the sunset dim into the night. From their heights, raise the darkness down into the light. Le dernier écart est de 30 secondes, alors qu'Arthur Michaud
Michaud s'est porté en tête. Arthur Michaud qui attaque. À 1 km de l'arrivée, Arthur Michaud en tête actuellement. Il a pris une dizaine de mètres. Arthur Michaud est derrière. Et bien Tony Galopin fait l'effort avec Sylvain Chavanel. On est dans les derniers 5 mètres. Arthur Michaud est en tête. Il est en tête à 800 mètres de la ligne d'arrivée. Lui qui est parti au kilomètre 5 et toujours au commandement avec 80 mètres d'avance sur Tony Galopin et sur Sylvain Chavanel. Arthur Michaud, en quel exploit s'il réussissait à s'imposer. Il a donc réussi à surprendre. Eh bien, les adversaires là, il ne peut plus être battu maintenant. Arthur Michaud est en tête. Arthur Michaud, le grand de l'équipe. FDJ, donc qui s'en va. Sylvain Chavanel qui revient maintenant. Chavanel en poursuite. Derrière Arthur Michaud, les derniers 7 mètres. Arthur Michaud. Tony Galopin, voilà l'arrivée de ce championnat de France particulièrement exigeant. Oh, quelle finale, quelle course d'Arthur Michaud, échappé depuis le kilomètre 5. Il n'aura jamais vu le peloton, il est champion de France. Alors que nous avons l'arrivée donc d'Anthony Roux qui termine à la 4e place. Et nous avons l'arrivée pour la 5e place derrière Anthony Roux de Cobain.